Encore une fois, une dernière fois, allez. Yo yo yo, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 consacré à la carrière de Tairo, un monstre du reggae français. Let's go! En 2013, il est invité par la Spider Team sur l'album 3000 Nigawatts avec un nouveau jour. Je m'enfuis de ma cage, rien ne sera plus. Regarde leurs têtes dans le métro, elles sont pathétiques. Pour les soigner, je leur prescris un coup de. Je me suis juré de tenir au moins cette promesse. Reste libre, quitte à perdre les sourires. J'écoute mes potes, pas les autres, qui se rejettent la faute. Je préfère viser le champion. Puis en 2014, sort sa quatrième mixtape. Le militant se calme sur ses albums solo, mais ressort du tiroir lors des mixtapes. Toujours quelques grosses combinaisons sont présentes, notamment avec Azrock ou encore Dragon Devi, Canyon, Balik de Danakil, la Spider Team de Caporal Nia et de Mikey 3000, Marginal ou encore un gros remix de Bonne Nuit avec notamment Kalash. Besoin d'aller dans un endroit magique, envie de soleil et de gymnastique. La Réunion est comme un joli fleur, ouais la Réunion est dans mon cœur. Plus cher avec moins de pesos, resserrer les taux sur la tête du people. Le problème, y'a pas le mot nu. Dans la canyon, n'est assez haut nu. Y'a de quoi se faire quelques insomnies. Je fais la police quand il n'y a pas de paix de justice. Et sans faire de scandale, je te demande qui est le coupable. Faire face à la pression gouvernementale, de manière subliminale, il contrôle ton mental. C'est pour toi, c'est normal, pour nous, ça va mal. Timonita et Romuel savaient le dragon se demande. Que fait l'État, que fait la police. Laissez-moi me libérer des chemins qu'on est forcé d'oublier, d'oublier. Elle est bonne, elle est bad, elle est folle, elle est dingue, elle est mad. Elle est douce, elle est sweet, elle est tout comme banana. La tête s'effrite comme mes neurones. Mon pote claque ses euros qu'on charbonne. Et fumé, qui t'a fumé, autant fumé de la bonne. J'aurai de la bonne weed. Ce soir j'aurai de la bonne weed. J'ai mis un bon weed. On se là. Dans la culture jamaïcaine, il y a un truc qui s'appelle les weed songs. En fait, c'est qu'ils transforment les hits américains en chansons de weed. Et au départ, c'était une blague, on l'a fait un peu pour se marrer, tu vois. Et le morceau, il explose. Il explose à tel point que quand je signe chez Universal pour faire Ainsi soit-il, ils me disent, vas-y, on fait un remix. C'est tout ce qu'il faut, dans les moindres détails, quand elle bouge et qu'elle loigne. Je suis déjà entraîné. Je suis assez préparé, je sais que si elle monte sur moi, ça sera pas pourri. Faut que je m'immisce, pas besoin de cyanide, cyanide. T'inquiète pas, j'ai déjà lu la notice. Ma maman sait, ma maman dit, ne fais pas tout ça. Si elle te plaît, que tu la kiffes, attention à toi. La langue, longue, y'en a marre à la longue. Ils jouent les bons potes et nous prennent pour des ânes. Ils nous carottent, bien sûr qu'on a l'impression d'être encore des esclaves. Tu bouffes, tu bois, tu dors. L'égalité des chances, c'est un fantasme. S'agitent les fantômes du passé. Nous jugent responsables, disent que la caisse est vide parce qu'on gruge les lois. Il est invité par Abyss sur son album All In. Et on le retrouve aussi sur la grosse tune de Kalash Sound System avec Admiral T. Et sur le EP de Canyon Nouvelle Air sur le titre Qui est coupable. Avec Dragon Devi, Sir Samuel et Tiwani. Ils ont des couilles qui poussent derrière des claviers assertis. Ils vendent du rêve aux petits, c'est pas dans le rap qu'on trouve. J'aurais pu te dire que le crime ne paie pas. Que les hommes naissent libres et égaux en sourire. Mais ce monde est triste. Car pour être heureux, faut être sur la liste. La salle s'enflamme et la salle va céder. Yeah. Il marche une squeeze pas dans nos reggae bars. Comme on a regardé les Star Wars. Obligé de pull up chaque minute. Obligé de pull up sans limite. Obligé de pull up. Installé dans la rap gauche. Chalice, compagnie d'une gorée de moi complice. Le son de système, c'est pas un truc d'égo. Alors, on va revenir back in the days, il y a 3 ans, où ton album était sorti chez Universal. Tu disais 3 ans ferme. 3 albums fermes, ouais, ouais, c'est ce que j'avais. Ouais. Là, il y a Libération, puisque tu sors en AD, non? Exactement. Ouais. Ils m'ont donné beaucoup de moyens pour faire ma musique. Mais hélas, ils n'ont pas réussi à me breaker sur les réseaux, sur les radios, à la radio en fait. À mon avis, être en maison de disque sans passer à la radio, c'est pas vraiment d'intérêt. Parce que bon, c'est vrai que t'as quand même des moyens financiers pour bien faire la musique. Ils ont été assez généreux. Mais moi, dans mon économie et la façon dont je fais de la musique, finalement, c'était pas très intéressant d'être chez eux. Et en plus, quand tu travailles avec eux, malgré tout, ils tentent de t'orienter vers quelque chose. Ce qui est normal quand tu travailles avec quelqu'un, chacun a le droit de s'exprimer sur ce qu'on est en train de faire.
Et je trouvais aussi normal de les écouter. Donc j'ai décidé juste de prendre complètement ma liberté et de produire moi-même ce disque. En 2016, Tyro sort Reggae Français, son troisième opus, produit entièrement lui-même. C'était l'époque de mes premiers sons système, 94, 95, 96. Ma scène allait peu plier, on bougeait tous dans le 13ème pour s'imposer. Au micro, il y avait du monde sur la époque, c'est sûr, il n'y avait pas David Guetta. Et s'il avait été là, il se serait vite fait péter. C'était le bon vieux, c'était le bon vieux temps. À dire qu'il ne savait pas que ce n'était pas son problème. Est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on veut vraiment changer? Pris au piège de la pub et du téléviseur, on critique un système dont on est les acheteurs. Je crois que je suis resté coincé dans des nuages. Je n'ai pas peur de ma mort et je me sens mieux avec l'âge. Comme on n'a pas besoin d'être une femme pour être écœuré par un viol. Je crois qu'il y a des choses à défendre, je suis prêt pour le décalage. Apprendre. Mais si tu ne parles pas, je ne pourrai pas. Donne-moi rendez-vous. Choisis l'air, choisis le parfum qui m'appelle. La soie de ta dentelle, mes mains dans tes cheveux. Il participe aussi à la compile Génération H avec le titre Police en hélicoptère. En 2017, il participe à l'album de Tepan, Parlons Beu. La police en hélicoptère cherche la Caliwi. La weed était là avant les dirigeants. Personne bien avant le premier gouvernement. Ça n'a jamais rien changé à part remplir les prisons. Oui, ou enfermement, quel est le pire des fois. Depuis ce jour-là, ma femme pédave plus que moi. Dire qu'avant de me connaître, elle ne faisait pas de bêtises. Ma femme fume trop de weed. Y'a d'abeux, mais le frigo est vide. Tous les soirs, elle est foncée. Tous les soirs, elle participe à un dîner presque pas fait. Elle est bergée plus haut que moi. Elle est bergée plus haut. Son agenda dépend de celui de son dealer. Elle fume 7 jours sur 7 de 7 heures jusqu'à. Ne fait plus l'amour si elle en a pas de la bonne. Ça la rend complètement conne. Il sort sa Summer Tape, où on peut trouver ce titre ainsi que des combinaisons avec Chucky Star, Nutty, Dadou, Max Livio, Caporal Niga ou Otabro. Tu m'as pris la vie, tu m'as donné. Moi qui n'étais qu'un gamin du quartier. Oh, danse. Madame. Ici Marine n'a fait que 5%. Elle veut se lancer dans la musique. Ne pas taffer pour un smic. D'avoir des femmes et des flics. Du crédit dans les émissions grand public. Si tu bouges comme Rihanna, ça va. Il est beau gosse, il le sait. Sûr de son succès. Elle veut tenter sa chance. Oh, peu importe, elle se lance. Si toi et moi. Personne ne sera mis à l'écart. Toi contre moi. Allume la mèche et laisse-la brûler. Oui, seul face à ton miroir. Tu n'es plus qu'un imposteur. Ce que tu réclames, es-tu à la hauteur? Ce que tu promets à tout le monde et à toi-même. Je vends, je vends. Est-ce que tu réalises? La peur te paralyse. Où sont tes valeurs? Où en es-tu de ce que tu t'étais dit? Plus tu en as, plus tu en veux. Il participe aussi à l'album de Tuspe Gonzalez, City Light, avec le titre Obscur Silence. Titre à but caritatif pour les enfants et les femmes victimes de violences conjugales. Les bénéfices générés sont reversés à l'association Home. Moi, des cris de colère, des traces de sang sur son polaire. Coup de tonnerre, un abus que personne ne tolère. Elle abuse, les faits sont réels, c'était son seul refuge. Elle perd son hymen. C'est ta vie, c'est la leur. C'est vos existences que tu fous en l'air. Quand t'as plus les mots, tu laisses parler ta force. Mais si t'as plus d'amour, il vaut mieux prendre la porte. Tu les fais vivre dans la peur. T'accentues juste leur douleur. Des cris, des pleurs et rien que ça tergiverse. Trop de mal-être, de malaise, de rancœur diverses. Garçon, laisse pas tes pulsions prendre le dessus, tu pourrais être vite déçu. T'es son mari, t'es leur père. Tu crois gagner, tu t'y perds. Il est aussi sur le EP de Difenga, La Franchie, avec la tune Monde Nouveau. En 2018, il est invité par Mr. Nils pour le titre Viens avec nous sur l'album Tourné vers l'avenir. Monde Nouveau, laissons nos mauvaises habitudes. L'amour est plus qu'une tradition. L'air que nous respirons est le même. La terre que nous foulons est la même. Des claviers est un trésor. Give thanks and praise encore et
demander ce monde nouveau. Je veux plaider sa cause et chanter pour ce monde nouveau. Laissons les choses qui nous divisent, la politique et la religion. On a besoin d'un peu d'air pur, d'un endroit où bien s'y sentir. On veut s'évader de ce monde impur. Ici on étouffe, ici on s'attue. Ça fait déjà un petit moment que j'y pense. Pourquoi pas changer d'air et partir tenter ma chance. Devenir le spectateur de ma propre existence. Non, j'ai besoin de trouver ma place. Il tourne dans un court-métrage s'intitulant Dunk, où il joue le rôle de Frank. Junou, si t'as besoin que je t'écoute, si t'as envie de discuter, si tu veux qu'on parle, je sais pas moi. J'ai pas besoin d'être écouté, je veux juste jouer. En 2019, Dubbing sort le titre À travers les vagues et invite grand nombre d'artistes. Morceau au profit de SOS Méditerranée et ses actions d'aide aux rescapés en mer. Et il sort un gros best-of de 35 titres. Face à la violence, on a tous atteint nos limites. Lorsqu'on abandonne et que la vertu. De quelle loi, au nom de quelle loi, on leur refuse ce que l'on s'offre à nous-mêmes. Et qui sont les victimes qui rallongent les listings, oh, oui. En large marge, mais le regard. En 2020, sort avec Sarah Lugo Half Time Wine. On va le faire de 9h à 9h. Nos corps au bout de nos lèvres de love. À l'endroit comme à l'envers, sous le duvet tout l'hiver. Bébé, laisse-moi te délivrer. Oh. I never thought I'd find somebody like. Don't be scared, come and give me, give me, give me, give me all of you. En 2021, voit le jour d'un EP qu'avec des featuring féminins intitulé Situation. Et on le retrouve aussi aux côtés de Max Livio avec Posons-nous la question. D'abord tu fais semblant de pas moi. Je te suis et tu me sèmes. Tu disparais dans la nuit. À quoi tu joues? À quoi tu joues? Toi tu croyais que ce serait facile. Mais je disparaîtrai toujours dans le noir. Faut pas me faire chier. Je vais sur scène et je charrie dans le game qu'il a. J'ai une carte qui laisse. Je ne ressemble qu'à moi, pas aux autres mecs. Je les entendrai plus, je planerai à des kilomètres. J'suis pas dans le game, yeah, non. J'suis pas dans le game, yeah. J'ai pas besoin de tout ça. Là, au-dessus de. J'arrive dans le game qu'il a. Il y a plusieurs raisons à ce projet. Le premier, c'est que. Alors, au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un morceau notamment avec Ribab. Et puis, donc, on a fait ce titre. Puis, j'en ai fait un autre avec Sarah Lugo. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée de faire un EP concept de avec ce concept que des featuring féminins. Il sort aussi Révolution par 1, le futur. Le côté obscur a eu raison. On a écouté sa voix. Que laissera-t-on à nos gosses? Le monde tiendra-t-il la distance? Le futur a-t-il encore une place? Les hommes ne parlent plus qu'une seule. L'argent gouverne, on le regarde comme un roi. Révolution par 2, oublié. Et Révolution par 3, peuple. Je les entends nous parler comme à des moins que rien, sans jamais nous regarder dans les yeux. Ils montent les gens les uns contre les autres. Un coup la mienne, un coup ta faute. Y'a pas de respect pour les peuples, peuples. Pas les mêmes plans pour tous les hommes. Faut qu'on arrive à se libérer. On a tous le droit d'être considérés. Il rejoint les Generations sur leur album Ailleurs avec le titre All to Blame. En 2021, il est invité par Tiwani avec aussi Daddy Mori, Calipé, Pompis et Lord Co City pour la tune Ayan Pajanje. Ah, we are to blame. Ça fait longtemps que je suis plus cool, me souhaite la bonne année. L'air du temps sans la foule, le monde est prêt. On se regarde sur les réseaux et on voit qu'on se connaît. On vit une drôle d'époque. Une drôle d'époque. Le système est fait pour diviser. Et à mettre nos âmes sur le marché. Ah, we are to blame.
changer, rien pas changer. C'est belle casa t'as pas qu'à sipoter. J'ai la zone qu'à sigoter toujours. Now we dep on the top, yo get the key a bet ja black. Soldier on the track, nous en chouyo compris. Automatique et pragmatique, flow spirituel et somatique. Flow scientifique, règle de 3 c'est mathématique. Pas de paix, pas de love, le futur en danger. L'hôpital et l'école saccagés. Il revient en 2022 chez Bakori Girls, le label créé par Dana Kill avec l'album 360 Part 1. Avec quelques combinaisons avec Daddy Mori et Tiwani, Def J ou encore Volodia aussi chez Bakori Girls. Un jour les plaies deviennent les cicatrices. Le système nous divise pour garder le contrôle. En jouant sur nos lives, il y a mille couleurs sur la palette. Nous sommes tous différents, personne ne sera remplacé. Mon effort, je veux lire l'avenir dans la couleur de tes yeux. Je prends l'homme, je prends l'autre. Regarde ce que t'as fait de moi. Bébé, j'entends plus la nuit. Y'a pas le goût de la vie. Bébé, quand t'es pas là. Contre le blues, t'es le remède. Toi, l'antidote, je comprends mieux ce que me disaient les potes. À peine arrivé, toi, tu cours, tu détales. Tu me fais chavirer dans les moindres détails. Les années-lumière d'être oublié, même au millier d'un millier. Comme les étoiles, la tête dans les étoiles. L'ego trip, c'est pas trop mon genre. Je vois des qualités, j'ai plein de gens. La musique, ça sert à ça. Dans ma musique et son discours, je veux qu'il y ait de l'amour. T'as pas fait ce qu'il fallait, ouais. Papa, t'as pas fait ce qu'il fallait. Je veux réparer tous les mots, alors je vous l'ai dit en chanson. Fils de tête avec maman, ne me demandez pas qui avait tort ou raison. La tête remplie de décibels, dans ma vie c'était le bordel. J'y pense chaque minute. J'aurais dû mieux faire, me battre et vite les disputes. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ouais. C'est un double album sur lequel il y aura donc 25 titres en tout. Oh oui. 13 sur la première partie et 12 sur la deuxième. La première partie sortira en octobre 2022 et la deuxième en février 2023, juste avant l'Olympia, qui sera en mars 2023, le 25 mars 2023. Et il est aussi aux côtés de HAD sur le titre « Vivre ma vie ». HAD. Oh oh oh, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Qu'ils gardent tous leurs soucis sur ma route. Je veux profiter de tous les instants. J'ai trop laissé passer, je veux plus perdre mon temps. Puis récemment, en février 2023, est sortie la partie 2 de 360. Là aussi, on retrouve quelques guests. Esprit Noir, David Kayroll, Still Fresh, Madiri Yama, Yannis Odoa qui est aussi chez Baco, ou encore Pixel. Fais-moi confiance, vas-y, slow down. Laisse-moi t'emmener la plus bonne de mes rancunes. Fais-moi voir comment tu t'en sous la pluie. On va se mélanger comme les fruits d'un cocktail. Si c'est pas pour filmer, tu peux ranger ton phone. Mon amour, mon bébé, je t'aime, je te le prouverai. Prouverai que si la terre est ronde, c'est pour qu'on puisse mieux se retrouver. Tiens-toi prêt à tous les cons. Pas de blague. Marcher au pas et filer droit. Je n'aime pas moi, je préfère des zigzags. Va gesticuler, grimacer, se mettre en scène. Pas de carrière sans talent, alors il rêve de la mienne. J'observe de la tour, courir à en permanent. Pour l'instant, c'est dead. Mon ego, les dead. Et c'est un album que j'ai construit un peu différemment des autres. C'est un album que j'ai écrit pour la plus grande partie pendant le Covid. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de titres aussi. Parce que j'ai eu plus de temps. Parce que d'habitude, je faisais à peu près un disque par an. Et là, pendant 2 ans, j'avais du temps. Donc, j'avais pas de concert, pas de tout ça. Et donc, j'ai pris le temps d'écrire les chansons. Mais je les ai pas faites d'habitude. J'ai un peu une vision de ce que je veux faire et j'ai une direction. J'ai une ligne directrice musicale ou une thématique comme avec les filles là par exemple.
là, je me suis laissé un champ de liberté total. Et j'ai été, et l'album va s'appeler 360 pour cette raison, parce que je me suis laissé aller vraiment dans tous les sens. Mmh. Et donc, il y a des morceaux de reggae, il y a de l'afro, il y a du reggae trap, du reggae drill, il y a des ballades, des morceaux plus pop, avec des touches un peu pop. À 46 ans et avec près de 30 ans de carrière, il est devenu une figure incontournable du reggae FR. Pendant longtemps, il faisait des apparitions à droite et à gauche avant de sortir sa propre mixtape, et depuis on ne l'arrête plus. Quand il ne sort pas d'album, il est en tournée aux quatre coins de la France ou participe à d'autres albums, des compilations ou des one redeem. Un artiste avec une palette d'écriture assez large, très militant. Son message est aussi tourné avec des chansons d'amour à la sauce roots pour le plus grand bonheur des Gals, ou des grosses ganja lyrics qui ne sont pas passées inaperçues. Il a commencé très jeune avec le cinéma par hasard pour continuer dans la musique. Peut-être le verra-t-on de nouveau dans une production cinématographique. Cela serait intéressant à voir. Une carrière pleine pour un artiste en pleine bourre, qui casse tout sur son passage. Il pourrait sans doute s'exporter plus à l'étranger s'il écrivait un opus en anglais comme peuvent faire les Naman ou les Generation ou encore Bigarance. Un artiste qui fera parler de lui encore pendant pas mal d'années. Il est une valeur sûre de la scène reggae et un fier ambassadeur. Voici la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, tu likes, tu commentes, tu partages et tu t'abonnes. Big up la compagnie. Peace.